Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play, ça y est c'est assumé, sur Stardew Valley Aventure Solo que je vous propose depuis un petit moment déjà, ça fait quelques jours qu'on a commencé et j'ai bien avancé mine de rien. On m'a donné des conseils la dernière fois, on m'a conseillé quelques petites choses par-ci par-là, j'ai vu certains trucs aussi. Je sais que là du coup, direct dès que je commence, il faut que j'attaque le champ, mais il faut aussi que je rejoigne au plus vite Léa. Pourquoi? Parce que j'ai 4 coeurs avec elle et que normalement il me semble qu'il y a un petit événement sympathique avec elle. Tous les deux coeurs, hein, je crois que tous les PNJ, tous les deux coeurs, il y a un petit événement. Une conversation ou quoi, mais ce qui peut faire avancer ou au contraire nuire à la relation. Si on ne fait pas attention. Alors. On va faire ça. Allez, ça, on l'arrose direct. Sinon, on va oublier. Nous sommes au 18 jours de l'été. 18e jour. Voilà, je vais essayer d'optimiser et de le prendre différemment. Merde. Ok, j'ai branlé. Oui, peut-être que si je ramassais avant, ce serait pas mal. Alors, on va faire ça. Que je m'embrouille au niveau des commandes, que je fasse ça bien. On devait aussi agrandir la maison, donc donner 10 000 balles à Robin pour qu'elle nous agrandisse la baraque de sorte qu'on puisse avoir la cuisine. C'est vraiment une grosse dépense. Mais on a aussi apparemment, on m'avait conseillé d'acheter, je crois c'était le silo pour conserver l'herbe. Et c'est vrai que ce serait peut-être pas mal de commencer du moins à investir petit à petit dans des bâtiments spécialisés, bien spécifiques. Ce qui nous permettrait éventuellement de nous donner un sacré coup de boost quand on se mettra sérieusement justement à l'exploitation. Vous savez quoi, je ramasse tout. Ok, ça a déjà été arrosé. Ça aussi. Normalement, si je dis pas de conneries, ça a déjà été arrosé. Je suis complètement perdu. Entre ce qui est arrosé et ce qui est pas arrosé, je suis complètement paumé. Faut vraiment faire gaffe aux pixels. C'est très très mal placé en fait, hein. Mes plantations sont très mal foutues. C'est très mal branlé. Ok. Bon, normalement, on est bon. Il est 10h30 et je crois que je devais arriver chez Léa à 10h. Tant pis. On va essayer de... C'est pas grave. Tout ce que j'ai sur moi, écoutez, c'est pas trop un problème. Donc ouais, on est bien à 4 coeurs. J'ai une tisane que je vais essayer de ne pas oublier. Ok, est-ce qu'elle est chez elle? Événement. Ah, quelle? Combien de fois je dois te le dire? Je ne veux pas retourner à la ville.
Arrête de m'appeler, je ne veux pas. Je ne veux plus t'entendre, enfin je veux plus. Ouais, t'entendre, ça se dit pas trop en français. Oui, enfin ouais, je veux plus t'entendre quoi. Très bien. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Je pense qu'en français on le traduirait comme ça. Bulette! Oula! Alors qui est-ce qu'elle? Ah mais carrément, elle était en train de beugler au téléphone. Ok. Je suppose que tu m'as entendu crier au téléphone. C'était son ex. Mon Dieu. On rentre dans les sujets fins. Énorme. Mon Dieu, je fuis. Je suppose que je devrais t'en parler un petit peu. Nous avions un appartement ensemble, en ville. J'ai fait des boulots à odd jobs, enfin des boulots fastidieux, des boulots chiants quoi. Des boulots chiants pendant la journée, passer toute la nuit à travailler sur mes projets artistiques. Barely made enough to scrape by. Ouais, la dernière phrase par contre, je comprends pas. Enfin, je saisis l'idée, mais traduire comme ça, je pourrais pas. Ouais, il était toujours en train de. Ah, de nagging me. Putain, c'est des expressions à la con, ça. Comment je pourrais traduire ça? Ah, il était toujours en train de me bousculer pour que je retourne à l'école et étudier le business ou enfin la vente ou la médecine. Quelque chose avec beaucoup d'argent à la clé, quoi. Je suppose que l'idée était de sauvegarder, enfin de. Voilà, de s'introniser à une vie normale. Ouais. Tu sais, une maison. Dans les quartiers, les enfants, PTA meetings, ouais, PTA meetings, je pense que c'est rencontre de voisinage, ouais, des clubs de, ouais, c'est très américain ça, les clubs où se montrent des Tupperware et des gommichés, ouais, ça doit être ça. J'étais pas vraiment prêt pour pour ce genre de vie, Bulette. Je devais partir. Donc je suis arrivé ici pour poursuivre mon rêve, mes rêves, de devenir une artiste. C'est beau. Est-ce que c'était égoïste de ma part, Bulette? Alors, soit je peux lui dire non, ça devait être fait. Non. Et ton ex sound like une idiote, enfin une idiote, enfin en gros ouais, voilà, on dirait un trou du cul quoi, enfin. Tu fais vraiment penser à un con, quoi. Non, mais. Mais non, mais tu aurais dû quand même rester en ville. Oui, un petit peu. Oui, mais c'est naturel de te soucier de toi-même en premier lieu. Alors, clairement, les trois dernières réponses, non. Non. Alors, je pense pas que c'est une réelle incidence qu'on réponde, enfin quoi que ce soit. Alors, je pense que oui, effectivement, peut-être qu'il y aurait un, ouais, peut-être qu'elle tiquerait un petit peu si je répondais les trois dernières. Mais bon, dans tous les cas, de mon point de vue, bah, soit si elle n'était pas prête et que vraiment elle aspire à être une artiste et qu'elle est vraiment douée, parce qu'après à un moment donné. Pendant 20 ans, voilà, si admettons, parce que bon, elle est majeure et vaccinée, si pendant 20, enfin 15, 20 ans, tu fais quelque chose d'artistique, et enfin à un moment donné, si c'est vraiment de la merde, t'en es conscient, il y a quelqu'un qui vient te le dire tôt ou tard que non, c'est à chier, il y a vraiment aucune matière à. Là, de ce qu'on voit, de ce qu'elle fait, ça reste quand même propre, donc elle parfait son truc, elle a une vision vraiment, c'est une artiste quoi, donc vraiment, il faut pas lui dire non, abandonne tout, enfin.
L'art, c'est hyper important, enfin, même pour la société et tout, c'est bien l'argent, tout ça, mais c'est super important l'art. Et bon, en plus, bon, moi je fais de la musique et compagnie, enfin, j'ai fait de la musique et compagnie, donc l'art, je sais ce que c'est, je sais comment ça peut être perçu d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui comprend pas, qu'on a jamais fait, ou qui le perçoit que très très mal, ou très très peu. Voilà, je comprends la vision de quelqu'un qui est dedans et qui a envie de parfaire ça. Pas forcément de s'y spécialiser au point d'en vivre, mais de, voilà, de parfaire ça. Ben, typiquement, ces contenus-là, c'est. Et les contenus que je vous propose, finalement, c'est du divertissement. C'est, ça fait partie d'une, c'est une passion, c'est un hobby. Et voilà, le divertissement, c'est une sorte d'art, finalement. Donc, c'est la même chose. Même si je veux pas en devenir un professionnel ou que je ne vais pas devenir un professionnel, que je vais pas gagner des millions avec ça, ça fait plaisir de le faire et ça induit à quelque chose de positif en soi. Donc, c'est important. Après, faire de l'argent à côté d'une autre manière, c'est aussi un bon plan aussi. Mais de tirer un trait, d'éradiquer ça. Totalement, parce que justement, faut juste faire de l'argent, penser à une vie hyper carrée, hyper. Non, là non, clairement non, surtout vu ce qu'elle fait, vu comment elle a l'air d'y tenir, non. Donc, dans ce sens-là, vu que finalement elle s'est émancipée, elle a réussi quand même finalement à retomber sur ses pieds et à. Alors je sais, je vous fais une putain d'analyse et tout, finalement on s'en fout, c'est un jeu de dés et tout ça, mais mine de rien, voilà, c'est assez profond, parce que la question peut se poser même dans la vie, quoi. Enfin, donc ça reste assez profond et voilà, la question mérite réponse et réflexion. Mais du coup, voilà, vu qu'elle a réussi quand même à s'émanciper de la ville, à revenir dans un petit village et tout, qu'elle avait vu quand elle était toute jeune et tout, quand elle était en voyage avec ses parents, tout ça, enfin, il y a quelque chose de beau, surtout si c'est pour venir et vivre à la fraîche finalement, parce que bon, elle vit, elle se nourrit avec les trucs un peu sauvages et compagnie. Bon, elle aime aller à la mer, enfin, vraiment, elle est dans un délire. Bon, elle est peut-être pas au point de Clodoman où, bon, elle fouille dans les poubelles et compagnie, mais voilà, elle vit sa petite vie, elle fait ses trucs et tout, et avec un petit coup de pouce, je suis sûr qu'il y aurait moyen que ces trucs artistiques aboutissent à quelque chose de super. Mais il faut qu'elle ait du soutien. Et moi, mine de rien, dans cette aventure, je suis un pécor hyper productif qui est pété de thunes parce que j'ai des champs dont je suis seul à entretenir tous les bails. Donc finalement, j'ai pas de frais, je paye personne. Le chat, il boit que de l'eau, il bouffe pas. Donc voilà, c'est. Si elle veut faire de l'art, moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. Et je lui filerai un coup de main, ou voilà, ou j'apprendrai à faire des. Je donnerai des cours de skate dans le village s'il faut. Mais bon, bref. Dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, l'un comme l'autre, la réponse 1 ou la réponse 2 est la plus adéquate par rapport à ma façon de voir les choses et par rapport à ma façon de comprendre finalement sa situation et de l'accepter finalement. Parce que j'accepte finalement ce choix-là, vu que finalement, c'est un choix qui est. Comme le mien, parce que ben, dans l'aventure du moins, vu qu'avant je bossais, je jouais à cola, vie de bureau et compagnie, et que ben, à un moment donné, j'en ai marre, j'ai saturé, j'ai ouvert l'enveloppe qui me donnait héritage finalement de ce vieux taudis que j'ai repris pour justement faire mes plantations et m'en sortir. Donc finalement c'est un choix qui est similaire parce que voilà je me suis émancipé aussi de la ville pour m'aérer l'esprit et pour repartir de zéro, faire ce que j'avais envie de faire et pas autre chose. Et finalement cette aventure je l'amène comme j'ai envie de la mener, je pêche, je plante, j'élève des animaux, peu importe, je fais ce que je veux et je fais de la thune ou pas d'ailleurs. Enfin voilà, c'est finalement le choix est parallèle quoi, enfin vraiment le passif et le choix qui nous a emmenés ici est quasiment le même. Donc je ne peux que accepter, tolérer et justement aller de l'avant avec elle et positiver vis-à-vis de ça par rapport à ces choix-là. Donc soit je lui dis bon ton ex c'est un connard mais ce serait trop facile de dire ça. Soit je dis non mais ça devait être fait. Non ça devait être fait. Ou non et ton ex paraît un con. Honnêtement, j'ai même limite envie de lui dire non, ça devait être fait. Parce que lui dire que son ex, ça paraît. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien, elle était pas du tout dans. Elle était pas bien finalement avec lui, vu que finalement elle était pas prête à aller lui vers là où lui voulait aller. Donc non. Allez, non, ça devait être fait.
Tu as raison, je... je n'aurais jamais été heureux. Je n'aurais jamais été heureuse. Enfin, putain, je peux pas le traduire mot pour mot. Je n'aurais jamais été heureuse de ce, enfin, en continuant sur cette voie-là. Voilà, en parlant du, en revenant sur le fait qu'elle racontait le fait que lui voulait un truc rangé et que elle, dans, voilà, dans l'idée, c'était soit elle revenait là, soit elle restait là-bas et elle se rangeait, elle avait une vie rangée, compagnie, avec un truc tout imbriqué, ce qui ne correspond pas du tout à un artiste. Hein. Clairement, les artistes, c'est des bordéliques absolus. Enfin, enfin, ils aiment bien aller dans tous les sens. Donc voilà. C'était mieux pour, enfin, c'était mieux pour nous deux, pour chacun de nous, de terminer une relation insoutenable où nous restions jeunes et flexibles. Ah, c'est une expression. Je saurais pas vous la traduire. Et j'ai pas envie de passer 5 minutes à chaque fois essayer d'interpréter une expression pour vous la ressortir en français d'une autre manière. Donc tant pis, vous avez compris. Bref. Ah, j'ai un petit peu réfléchi à j'ai un petit peu réfléchi, j'ai un peu plus réfléchi à cette idée vis-à-vis de l'exposition d'art que j'ai eue. Enfin, que tu as eue. Je traduis par rapport à moi. Je suis en train de travailler sur de nouvelles sculptures à disposer à l'exposition. Je suis nerveuse. Mais le fait de penser, le fait de, voilà, de songer à sortir mon travail. Ben en dehors finalement de ouais en dehors, dehors est plutôt excitant. J'espère juste je suis contente que I'm glad, ouais, je suis glad. Le problème c'est que glad en fonction des cas on peut pas le traduire de la même manière. Je suis enfin je suis ravi. Que tu sois du bord, enfin du ouais, de d'accord finalement de faire Stardew Valley une destination artistique de première, enfin ouais, bref. C'est chiant parce qu'ils utilisent vraiment des expressions à la con, c'est ils utilisent des expressions à la con en fait, donc littéralement je peux pas forcément vous traduire tout. Je suis obligé de traduire, d'improviser des trucs, ou justement de traduire une expression qui n'est propre que à l'anglais ou à l'américain. Je pense plus à l'américain là. Faudrait vérifier, mais je pense plus que c'est d'origine américaine que anglaise. Bon, ok. Est-ce que j'avais gardé, j'avais pas gardé les ressources de bois et compagnie? Bon voilà, petit événement sympathique finalement, c'était juste une conversation, mais voilà, c'est sympa. Et puis finalement, ça emmène à réflexion pour la vie, la vraie. C'est cool. Ah, puis moi, après, quand je me lance dans un sujet, c'est terrible. On ne m'arrête plus. C'est angoissant. Bon, ok. J'ai tout arrosé, donc on drop ça. J'ai une géode. Est-ce que je mets des trucs de côté? Franchement, je vais pas batailler. Je vais pas hésiter à mettre des ressources de côté.
Bah, des piments de côté. Des baies. Ouais, je m'en mets 5 de chaque. Ça, le reste, je vends. Hop, ouais. Bon, on va juste vendre. Bon, allez, vas-y, je vends tout. Allez, impeccable. Du coup, bois et cailloux. Ah oui, c'est vrai que j'avais looté du gros bois. Et on m'avait dit de faire gaffe au gros bois parce que justement, c'était une ressource un petit peu chiadée du cul qu'on pouvait pas avoir forcément facilement. Ouh, j'en ai eu deux. Énorme. Ouh, et en or. Ça, je pense que c'est avec l'attribut que j'ai eu de. D'avoir les récoltes optimisées. Énorme. Merde. D'accord. Il faut 30 trucs de cuivre. Le problème, c'est que pour valider cette quête, il faut les récolter. Il faut pas juste lui emmener. Donc, je peux le faire. Je suis pas allé péter la géode. Je peux le faire, mais ça veut dire qu'il faut que je speed. Pourquoi y a personne? Bordel de cul, pourquoi y a personne? Quel est le fuck? Elle, elle kiffe l'exploration minière et compagnie, donc elle aime bien l'aventure. C'est bon à savoir. Mais pourquoi y a personne? Eh ben tant pis. Tant pis, tant pis. Peut-être pas abuser. Voilà. On va mettre de côté ce dont on n'a pas besoin dans la cave. Ah, mais j'ai pas la pioche. Il faut que j'aille voir Dr. Nozman qui ferme à 4 heures. J'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le temps. Peut-être. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Putain, 4 heures. Mais on s'en bat les couilles! 4 heures. D'accord, elle doit pas parler aux étrangers, super. Ah mais j'ai 400 de bois. Allez, j'utilise les 300. Voilà, comme ça on aura fait quelque chose de notre journée. Au pire. Et du coup, on va peut-être pêcher par là. Terminer la journée. Putain,
Ouais, mais Dr. Nozman, il fait chier aussi, il termine trop tôt. Hein. Ouais, et ben du coup. Tout ça, je vais le vendre. Ah, du coup, j'ai plus que 100 de bois. Ah, j'avais pas vu les bulles. Les bulles. Les bulles. Ah oui, mais je peux pas les atteindre en fait. Donc ma vie, c'est de la merde. J'avais complètement zappé ça. Là, je suis dégoûté, j'étais déter pour dépenser de la thune et puis finalement il n'y avait personne quoi. Pourtant j'étais arrivé à l'heure sans déconner. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi cette icône bizarre? Mais quoi? Je veux savoir ce que c'est. Hein. Non mais c'est dingue. Non mais c'est impossible à attraper. Bon d'accord, tout le monde s'y met. Mais c'est quoi ce spot de ouf? Ok, bah il me faut la canne à pêche cheatée quoi. Bon allez. Bon, un vrai poisson par contre. Ouais non mais toujours plus ça. Hein. Toujours plus. Allez, on se casse. Insane. Et du coup elle est là? Bah oui elle est là. Allez je pêche un poisson à côté de toi. Ah. Super. Bien joué le poisson. Bon allez ouais. Et du coup faut que je récupère ma pioche. Bordel de cul. Oh le délire. Je me demande si ça j'en ai pas besoin pour le...
garder ça. Bah oui, impeccable. Ouais. Ouais, si je peux aller miner, ce serait pas mal. Petite journée rentable. 5000 balles. Je suis cané. J'allais au sport ce soir. J'en peux plus. Je suis un vieux monsieur. Je suis bientôt un vieux monsieur, moi. Faut me respecter. Let's go. Je me cale correctement. Allez, c'est parti. Ouf. Beaucoup de maïs à ramasser. Oui, alors on va ramasser le maïs. Oh! Pourquoi elles ont été... Ah mais genre avec le temps elle pète? Sérieux? Sérieux? Avec le temps elle pète. Elle est pas mal celle-là, tiens. Moi je vais les péter, hein. Tant qu'à faire. La concentration est totale. Alors oui, hein, je me mets à l'aise, hein, parce que bon. C'est pas comme si je gagnais des milliers d'euros par mois à faire ça. Hein, donc, respectez mon dos, hein, s'il vous plaît. Mais genre, en fait, les barrières elles pètent au fur et à mesure du temps. C'est bon à savoir ça. Ah non, je vais peut-être pas les péter maintenant parce que j'ai pas en la place dans mes inventaires. Non, mais en fait, le meilleur des plans c'est de planter des arbres. Mais autour des champs, honnêtement, les barrières c'est superficiel. J'ai arrosé, hein. Ok. Ah oui. Énorme. Le délire. En fait, l'été, j'ai l'impression que c'est la saison la plus rentable, mais c'est quand même la plus longue à se lancer. Ce qui est quand même assez paradoxal. Oui, donc non, c'est bon derrière, côté. Alors le fameux fruit là, que l'autre m'a refilé, je suis très curieux quand même, hein, de voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner.
Très bien. Putain, j'ai plus d'eau juste pour ça. Il est déjà 10h50. Il faut que je donne au chat. Donc, vendons. Bon, à un moment donné, il faut rater les conneries, quoi. Voilà. Je vais m'occuper d'abord de mes bails. Avant d'aller checker Robin. Je vais d'abord voir Dr. Noseman. Jody. Ouais, non, mais Jody, c'est une corpo. Yes. Allez, petite géode, sait-on jamais. Du charbon. Génial. Génial, 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 génial. Allez, zou. Allons retrouver Robin. Bon, attendez, peut-être essayer d'intercepter Léa. Donc on y est. Elle est où? Eh ben elle est encore là. Ouais, bon, après, elle dit toujours la même chose, hein. Bon, c'est fait. Je me demande s'il y a moyen d'acheter des trucs un peu particuliers. Genre le vin et le fromage de chèvre. C'est des trucs que... j'aimerais bien en choper. Pour pouvoir l'offrir à Léa le jour de son anniversaire. Ça avancerait grandement cette histoire. Il a pas. Bon, alors allez où Robin là? J'ai de la thune à dépenser, bon. Ah, 450 pièces de bois. Pourquoi j'étais en mode il en faut 100? Oui. Alors, on m'a parlé. On m'a parlé de ça. Ah ouais, 100 gros bois. Enculé. Ouais, on m'a parlé de ça. Je pense que la glaise. Enfin, la glaise, je l'ai. Les. Mais. Après, ça coûte que 100. Ah oui, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ah ouais, 100, 450 de bois. Ah, l'arnaque.
Bon, je m'y prends un peu tard. Mais bon, déjà, je one shot les Ah, ce qui est cool, c'est que vu qu'il fait noir. Ah, quoi? Je vois rien. Alors, je vois rien. Attends, il n'y a pas moyen d'augmenter la luminosité? Option. Ah bah, il n'y a pas moyen. Ok, c'est une chauve-souris en fait. Ah mais j'en ai besoin ça pour le centre communautaire. Ah bah venez hein. Je vous attends. Mais j'en ai besoin pour le centre communautaire, c'est cool. Ouais non mais pire plan en fait. Pourquoi on voit rien comme ça? Très bien. Bon attendez, je vais me nourrir. Sachant que je vais m'en prendre plein de fions à un moment donné. Ça va être terrible. Alors je sais que j'aurais pu aller à l'étage suivant, mais c'est quand même intriguant cette histoire. C'est que ça. Ouais, non, mais bon. Ouais, non, mais mon épée, en vrai, on me l'a dit la dernière fois. Hein, j'ai eu un cul de ouf. Au pif, hein. Ouais, super. Bon, en fait, quand il fait tout noir, on voit vraiment, vraiment, vraiment rien. Ce qui est ouf, en fait. Alors, peut-être que vous, vous voyez mieux, hein, mais moi, je vois vraiment, vraiment rien. C'est insane. Il est déjà 6h10. Je pense que la quête pour les 32 cuivres, on va oublier. Ah, je one shot toutes les pierres, c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Va vite alors que je me barre. Putain, c'est con, il me manque une aile de chauve-souris pour. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Omnigéode, oh, d'accord. Il me faut
faut du bois en masse. Putain, si j'avais su pour le gros bois. Ok. Bon, je vais me casser. Tant pis. Hein. Ouais, je préfère partir safe plutôt que de m'effondrer encore une fois dans la mine. Et j'ai des ailes de chauve-souris, donc j'ai limite envie de faire une escale maintenant. Et 450 de bois. Le prochain jour de pluie, je pense que je vais massacrer quelques arbres. Par contre, où est-ce que c'était? C'est la bonne question. C'était pas là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un oursin, mais j'avais besoin de machin, la con, de ses morts. Il faut du vin pour lui aussi. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs de mort? On m'a jamais dit. Des pommes, ok. Ouais. Compliqué, hein. Faut que je recrafte des coffres. C'est con parce que j'étais à 9 fragments de cuivre. Il m'en fallait combien? 30? J'aurais jamais le temps de les faire. Je commence à avoir de la ressource. C'est bon ça. Et le fer, mais c'est vraiment le truc le plus rare, j'ai l'impression. C'est abusé. Avec l'or. Alors ça, du coup, l'épée... Mais c'est ouf! C'est ouf, en vrai. Ah oui! On va péter ça maintenant. Tant qu'on y est, autant le faire. Ouais, ça faisait joli, mais... Et voilà. C'était en train de pourrir. Allez, on fait pareil avec ça. Pas de regret.
Oh putain. À un coup près. Non mais arrête tes conneries. Alors, je peux faire un tonneau. Je peux faire de l'huile. D'accord. Bon, petite journée sympa. Ah, quelle vie. J'ai complètement zappé de ranger. Faut que je recrafte un coffre. Putain, ranger l'épée. Épée en bois. Bullet. Je collecte des données sur la corrélation entre. Il me demande un melon maintenant, ce trou du cul. Il me demande un melon maintenant, ce trou du cul. Alors quoi, il faut que j'essaie de crafter un truc pour que ça pousse plus vite? Parce que là, le problème, c'est qu'on est le 20. Donc, j'aurai jamais le temps. Ça pousse en 11 jours, cette merde, je crois. Super. Ou sinon, j'attends une saison, hein. Tant pis. Et puis merde. Oh putain, le team demande des melons. Comme quoi, faut toujours garder des trucs de côté. Oh le bordel, putain, le team demande des melons maintenant, quoi. Le délire. Le délire. Ouais, ou alors j'essaie de voir si je peux crafter. Pour que c'est un truc qui pousse en. Pour que ça pousse plus vite, hein, plus rapidement. Est-ce que je peux faire ça? Et ça, c'est pas mal aussi. De la résine de je sais pas de ok ouais donc en fait c'est baisé, il me demande des trucs que je peux pas faire en fait. Et son melon de merde, ben je vais jamais l'avoir, j'aurai pas de melon à temps, c'est juste pas possible.
En vrai, ça me rend fou, putain. Il me demande ça maintenant, lui. Il peut pas me demander ça au début de la saison. Bon, au pire, hein, ça sera saison prochaine la quête. Hein. De toute façon, je vais tenir, je pense, une année entière pour vraiment m'imbriquer les bases du jeu avant de partir dans le délire. Donc, dans tous les cas, au pire, son melon, ça attendra l'année prochaine. Ok, c'est bon. On vend tout. Ouais, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir les 1. Oh le délire. L'autre il me demande un melon maintenant quoi. Le truc qui. Bah, de toute façon, je vais faire une escale au magasin quand même pour être sûr, mais il me semble que ça pousse en 11 jours. Mais tant pis, hein, je vais acheter une graine et je vais la planter au cas où. Comme ça, si j'arrive à l'avoir pile à temps, tant mieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de fumer des pétards derrière le buisson. Ah, ils sont en train de jouer! Incroyable. Péter la géode. Les géodes d'ailleurs. Ah donc vu que l'autre elle aime l'aventure là, la Abigail, ça veut dire qu'elle aime tout ce qui est émeraude, enfin les géodes et compagnie quoi. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh genre il se prend sa petite taxe le maire. Malinx le lynx. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Un homme Dwarvish. Un caillou. Super. Merci. Allez. Bon, alors, la graine. Il me demande le pire truc à faire pousser fin de saison. Ouais bah lui il me fait marrer aussi à me demander du cuivre mais allez j'en ai acheté un. On va aller planter ça de suite.
Mais en plus, je crois que j'ai un skill en agriculture qui me permet de... De rentabiliser plus vite. Il me semble. Je suis en train de m'interroger. Voilà. Pousse, petit melon. Tu as 10 jours pour pousser. J'ai même pas vu. Et franchement, c'est le pif du pif. J'ai même pas regardé combien de temps ça mettait à pousser. C'est le pif du pif. Ok. Merde. Poser le seau. On va partir miner. Je suis un fou. On va miner. On va voir. Je vais peut-être avoir des... Avoir la chance d'avoir rapidement du cuivre pour valider la quête. Je suis allé voir Léa, hein. Oui, c'est bon. D'ailleurs, Léa, on en est où? Quel cœur toujours? Oula, il sort d'où lui? Ce psychopathe qui sort des buissons, quoi. Commencer l'exploration dans les profondeurs. Mais je pense que de toute façon je m'y prends trop tôt dans tous les cas, hein, parce que vraiment... Je me demande si c'est vrai, si c'est procédural en fait les... Oh, une petite topaze. Je me demande si c'est procédural les niveaux dans la mine. Parce que j'ai pas eu souvenir qu'on ait tout ça la dernière fois. Mine de rien, j'ai bien avancé. Plus que 10. Petit géode. Je sais pas où est l'échelle. Bordel, elle est où? Sans déconner. Non, je vais pas me taper tout l'étage. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On voit rien. Ces conneries, on voit rien, on voit rien, il n'y a pas d'échelle. Ou alors j'ai craqué et ça se trouve on est censé l'avoir trouvé, sauf que vu qu'on voit rien, et ben je la vois pas. Non mais vous avez pas vraiment, vous allez vraiment pas me faire ça. Je vois rien. Elle était là, sous mes yeux. Très bien. Vas-y, on avance. Je suis curieux.
Le délire. Pas mal. Enfin, je dis pas mal. Je suppose que c'est pas mal, mais est-ce que c'est ça l'est vraiment? On peut se poser la question. Bon ouais, hein. J'avance. Yes. Oh. Du fer. C'est un miracle. Bon, il faut que j'arrive à passer cet étage. C'est un miracle. Et là je les là tu vois que je vais les choper les 32 fer de cuivre. Bon allez. On se casse. Ouais, on se casse et je vais essayer de toper Clint. Tant qu'on y est. Mais où il serait ça? C'est la bonne question. J'ai rien looté de ouf, hein. Si la géode et la topaze, mais c'est tout. C'est tout. Bon, on a validé une quête. C'est cool. Il est là. Il est là. Yes. Ok. 260 balles, c'est honnête. Oh, t'as une petite Léa qui était là, toute seule. Et toute seule tout le temps. Hein. Moi, je veux bien l'inviter à boire des coups à la maison. Hein. D'ailleurs, bon, elle est en train de cligner. Elle claque son RSA tous les soirs au bar. Bon, je suis pas. Je suis pas pour. Je suis pas d'accord. Si elle claque son RSA dans son art, là, je dis pas. Mais au bar, je suis pas d'accord. J'ai. Je commence à avoir pas mal de quartz. Merde, quel con. N'importe quoi. Je le mets là pour l'instant. Pas vraiment, c'est les ailes de chauve-souris, ça peut servir. Peut-être que le sorcier en voudrait. Peut-être. Ah, faut que je fasse du bois. Faut que je fasse du bois, faut que je fasse du bois, faut que je fasse du bois. Bon, et ben le lingot de fer, je vais le ramener au. Vous en doutez, au centre communautaire. Bon, El Famoso Melon. En vrai, j'ai envie de les faire les 10 jours pour voir. Je suis en suspense total, voir si le melon pousse ou pas. Parce que ça se trouve, il va juste rester. Juste, on va être à peine, on va arriver, on va le voir. De toute façon, on va le voir sortir, hein. C'est sûr.
Ça va être la grosse déception, je vous le dis. Allez, tiens le chat, je te donne de suite. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Est arrosé. C'est bien parce que c'est marrant parce que j'ai des récoltes qui arrivent en décalé. Ça aurait été intéressant de tout accumuler et de tout vendre vraiment à la fin de la saison pour voir. Ou voir si justement on peut stocker les produits et les vendre hors saison. Voir si on les vend plus cher. Parce que ça se trouve, le jeu est putassier à ce niveau-là aussi. Bon, au début, on peut pas trop se le permettre. Mais là, je pourrais commencer à me permettre de faire des stocks. Pour rentabiliser plus tard. En vrai. C'est le bon plan, ça. Bon, ouais, ça m'étonnerait qu'on vende plus cher. Ça serait marrant à essayer, mais à mon avis... Ce serait pas très RP dans le sens où finalement, à moins d'avoir des trucs de stockage fait pour justement conserver plus longtemps les produits récoltés. Mais ça veut dire qu'il y a un système de durabilité des aliments quoi. Et je pense pas qu'ils aient poussé le truc jusqu'à là. M'a fait flipper en mode ça y est, c'est l'apocalypse à Stardew Valley, une météorite. Mais c'est arrosé en bas. Oui, bon, nickel. Tomates en or, j'en ai mis de côté, mais je sais pas si j'en ai beaucoup de côté. Non, j'en mets 5 de chaque, si je peux. Bah d'ailleurs, tiens, le raisin. Ouais, j'ai dû argenter, vas-y, c'est bon. Ok. Très cool de pouvoir changer de tenue aussi. Hello. Ça je vois les idées. D'accord. Elle est en mode qu'est-ce que je fous aujourd'hui, j'ai la flemme. Et je peux l'offrir des cadeaux. Bon tiens, t'aimes le vin donc t'aimes le raisin.
c'est pas un cadeau de merde en plus de ça. C'était un bon. Une bonne grappe. Une bonne grappe. Si elle aime les bonnes grappes, tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Allez, la géode. Qu'est-ce que c'est que ça encore? D'accord. Je suis à 35 000 balles, mine de rien, c'est cool. Nouvelle récompense. Ok, super. Un tableau. Un tableau. Je l'ai pêché où les sunfish, moi? Pêcher aujourd'hui hein. J'étais parti pour aller me la mettre dans le donjon mais finalement on peut pêcher, c'est une possibilité. Alors où est-ce que je l'ai pêché les sunfish, c'est une très bonne question. En fait, finalement, on voue un culte satanique dans ce truc. Hein. Ah bah super. Bah j'en pose une deuxième, comme ça je pourrais faire... double lingot. Ok, j'ai payé 2500 boules. Un gâteau au chocolat. Fous de ma gueule. J'ai payé 2500 balles un gâteau au chocolat. En plus, je suis sûr, Léa, elle aime pas ça. Ah, j'ai 3 gâteaux au chocolat. Ah ouais, non, mais c'est the truc qui donne de l'énergie et tout, quoi. Balles, 25 000 balles, 5 000 balles. Allez, 5 000 balles, je paye. Pour la prochaine saison. Pour bien commencer la prochaine saison. Est-ce que je paye 10 000 balles? Récompense? Parce qu'il y avait écrit récompense, réparation du bus. Mais alors peut-être que, en fait, le bus n'a juste plus de batterie. Ah, 25 000 balles. Ah non, le tout, c'est la réparation du bus. Qu'est-ce que je vais foutre de l'antenne à tonnerre? Du pare-foudre. Qu'est-ce que je vais foutre du pare-foudre? Bon, j'ai payé masse de thunes, mais au moins, voilà. Je pense que c'est le truc le plus fumé, hein, finalement, dans lequel on peut avancer au début. Alors, je vais aller voir à côté du bus.
Ouais, alors. Comment je fais? Bordel de merde. Bon, ok. Alors c'est cool, ils m'ont débloqué le machin, enfin le paratonnerre, mais qu'est-ce que j'en fous? Du coup. Je sais pas ce que j'en fous. Je sais pas ce que j'en fous. Eh ben on va laisser là pour l'instant. Parce que je sais pas quoi en faire. Donc ça c'est pour la saison prochaine. J'ai vraiment payé 20 000 balles finalement pour ces conneries. Le paratonnerre, qu'est-ce que je vais en foutre? Je vais le garder de côté. Et puis peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va me dire hey, « Eh machin, t'as le paratonnerre, faut faire ci, faut faire ça. » Voilà. On va partir du principe que, de toute manière, quelqu'un dans le chat va me le dire. Sunfish, est-ce que c'était pas là les Sunfish? Je crois, hein. Je crois que c'était là. Bon, il en faut 5. Oh sérieux, la blague, la blague, la blague, la blague, la blague. Sunfish, ok. Allez, 1. On va dire que je pourrais vous faire un épisode de Rage 2. Mais que je préfère jouer à Stardew Valley. Ouais non, après les minuit 45, ma voisine est là. Bon. Si je commence à jouer à Rage 2, ça va être compliqué. Allez, plus que 2. C'est déjà 5h20 là. Génial. Hein. Continuez de me donner la merde comme ça. Ah, ça me rappelle toutes ces heures passées à pêcher dans Final Fantasy XV. Bon bordel. C'est quoi ce prank? Alors bien évidemment hein, que je ne prends pas en compte
les messages privés lambda, genre viens regarder ma chaîne, va sur ce lien pour découvrir que finalement t'es un connard, un gros débile. Donc sachez que voilà. Ça ne m'intéresse pas. Bon, génial, donc je ne validerai jamais cette quête. Hein. Sachez-le. Mais bon, faut rater les conneries. Hein. Non, mais Jean, putain. Pourquoi plus musique? Putain, mais ça m'a fait peur, je crois qu'il se passait un truc bizarre. On va continuer de pêcher et puis on y arrive ou on n'y arrive pas, mais on verra. Au pire on vend, c'est pas grave. Ouais, donc voilà, les messages en oui, ta chaîne a l'air ouf, viens voir sur ma chaîne pour finalement augmenter mes stats, vous allez vous gratter. Finalement, j'aurais jamais eu les deux sunfish qui me manquaient. Moi, je m'y suis pris un peu tard, je pense. Bon, allez-y. On s'emmerde. Ah, parce que de toute façon, voilà, hein, les règles de chat sont là, mais aussi pour le système de chuchotement présent sur Twitch qui permet d'envoyer des messages privés aux propriétaires de la chaîne visés. Qu'on appelle les whispers ou les chuchotements, c'est la même chose.
Et donc, ce qui est valable pour le chat de manière globale est valable aussi, bien évidemment, pour les whispers. Ça sert à rien d'envoyer des messages privés, finalement, pour me faire une pub sous-entendue pour votre chaîne ou pour finalement, je m'abonne à votre chaîne parce que, voilà. Finalement, vous avez que ça à foutre d'aller sur la chaîne des autres pour demander des abonnements, quoi. Bon, après, tant que vous ne me demandez pas de jouer à Fortnite, bon. Et le pire, c'est que j'ai vu des vidéos récentes de la nouvelle saison de Fortnite qui n'a l'air finalement pas mauvaise. Bon, parce qu'après, c'est le côté futuriste et tout qui donne envie, mais finalement, dans les faits, je pense que c'est injouable maintenant. Enfin, au-delà du fait que c'est n'importe quoi, je pense qu'aujourd'hui c'est injouable. Enfin, le mec, en 2 secondes, il se transforme en tour ambulante de 10 étages. Oh, puis même, c'est trop le bordel. Même à regarder comme ça, j'ai du mal à suivre en fait. Enfin, après, je critique pas trop parce que c'est vrai que le jeu est quand même méga complet et je trouve ça quand même remarquable. Les gens qui arrivent vraiment à gérer sur ce jeu-là, qui arrivent à s'y retrouver en fait. Mais trop le bordel. Ah, je commence à être un vieux moi donc bon. Non, parce qu'après on va me dire, oui machin, tu crashes sur la communauté Fortnite, tu es maudit à tout jamais. Bon, j'ai envie de vous dire, foutez-moi la paix. Moi je viens pas sur vos streams et je viens pas chier sur Jean Kikou du 93 qui fait des streams Fortnite pour espérer faire un pique-nique avec Ninja. Mais non, mais surtout que voilà, enfin, on va dire que le, je vais pas dire le marché, mais le, l'audience est complètement saturée. Enfin, espérer se faire un nom juste parce qu'on joue à Fortnite et qu'on fait des vidéos sur Fortnite, bon, encore faire des vidéos pour son plaisir. Vous en faites sur ce que vous voulez, même si vous aimez vous faire fouetter les fesses avec une cravache en cuir par votre grand-mère. Mais très bien, faites des vidéos dessus si ça vous fait plaisir. Mais qu'on vienne pas me dire que c'est la clé du succès ou que y a que ça de vrai. À un moment donné, chacun fait ce qu'il veut, mais faut arrêter de suivre la hype comme des moutons. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas tant le jeu qui m'énerve, je l'ai dit ça de toute façon plusieurs fois. Pas tant le jeu qui m'énerve, c'est ce qu'il est devenu de manière sociale qui m'énerve. Et aussi que je comprends rien, que je comprends plus rien au jeu. Agréable. Allez, on donne à boire au chat. Paf. On remplit. Est-ce que j'ai encore la quête? J'ai encore la quête de la pêche. Ah non, mais c'était 4, il m'en manquait que un seul, l'arnaque. L'arnaque du cul.
là, petite visite à Léa. Faut que je déblaye tout ça, que je fasse quelque chose de tout ça, ça m'énerve. Mais j'ai tellement, j'ai toute une partie en fait à gauche qui est inexplorée. Ça se trouve, il y a des trucs de ouf et j'en sais rien. Et elle me dit qu'elle a trouvé des fruits ce matin. Elle a dit ouais, désolé, j'en ai pas laissé, je t'en ai pas laissé en gros. Donc elle commence à penser à moi. C'est ouf. Pense à moi. Pétage de plomb. Ah, dites-le hein, dans les commentaires si vous avez envie de m'entendre chanter de manière improvisée. Ça m'intéresse. Ok, 8 slimes. Et ben je vais essayer de pêcher El Famoso Sunfish. J'espère que je vais y arriver. Qu'est-ce qu'elle fout devant l'eau? Elle va se jeter dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est elle qui vit avec sa mère alcoolique dans une caravane. Putain qu'elle vit quoi. Bon c'est quand que je retrouve des trésors dans l'eau? Bordel de merde. Bordel de merde, c'est quoi ce poisson de ouf? C'est quoi ce poisson? Alors Willy Denzel, elle est où? En train de casser le mur du son. Est-ce que je vais avoir le temps pour les 8 slimes? Parce que les 8 slimes, de toute manière, je vais pas les faire au dernier étage des mines. Donc je peux me permettre éventuellement une petite embardée dans les... dans les premiers étages de mine. Là, je check juste ici s'il n'y a pas les trucs qui traînent. Voilà, donc ça j'en ai besoin. Un oursin. Ah oui, ok, c'est la cabane de plage d'Eliott. Connard. Ah, c'est le meilleur ami de ma future femme, mais je vous avoue que... Les câbles. Ok. Mais je comprends pas pourquoi j'ai un point d'exclamation en dessous de ma thune. Je piche pas. Est-ce que je me permets une escale à la maison pour vendre les poiscailles? Faire de la place. On va faire ça. Hein. Oh,
Oh, il faudrait limite regarder la météo. Ouais. Il faudrait regarder la météo, ouais, pour checker, voir en début de journée en fait, voir la météo pour le lendemain. Histoire de voir. Parce que s'il pleut, je peux éventuellement. Si je vois que le lendemain il pleut, je peux poser le saut. Le lendemain, j'ai pas de problème. Et le surlendemain, au pire, s'il pleut pas, bah, je m'occupe à autre chose. Et puis finalement, je vais arroser mon champ. Là, je termine la journée en arrosant le champ. Je pense que je peux négocier le bail comme ça, mais ça veut dire qu'il me faut quand même 5 lingots. Mais je sais pas si ça fait quelque chose. Je pense hein, que de toute manière, si on l'améliore, ça, hein, ça optimise. Alors, il est mignon, mais 25 000. Alors très bien, c'est pas ici. C'est où? Ouais, 4h30, ça va être un petit peu tendu de... Mais où est-ce que j'ai vu les... Merde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il me semblait avoir vu un truc où on... Et merde. Bulletin board, putain, c'était ça, je crois. Mais faut que je lui rapporte. Mais je dois me mettre où? Non? Ah, pardon, j'avais pas vu. Et c'est pour gagner de l'affect. Ok, pardon, tant pour moi. Autant pour moi. Bon, il est 5h10. Je vais quand même essayer d'aller les péter, les 8 slimes. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Ça peut aller très vite. Comme ça, je valide des quêtes. Est-ce que je pourrais pas lui offrir une épée à... Non, je pense pas. Alors, on va pas... Allez, 10. Des slimes.
Ah, faut que je trouve des slimes par contre, hein. S'il n'y a pas de slime. Putain, par contre, je vais être blindé en pierre. Je vais être blindé en pierre. Et il faut que j'essaie ce truc là de. Il faut que j'essaie ce truc de. Une sorte de fertilisant qui permet de conserver l'humidité là. J'ai pas l'impression que ce soit procédural. Hein. Ah, je suis considéré comme en combat. Ah, le cuivre, il y en a un. Hein. Diode. Bon, ah ben les slimes, j'aurais dû faire les étages d'avant. Je regrette. Heureusement que j'ai cette épée. C'est abusé. Oh, une slime. Ouais, ben tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, on rentre. Non, parce que je me connais, après je vais jamais m'arrêter. Je me demande si arrivé niveau 40, on débloque pas une nouvelle mine. Faut que je fasse du bois là, j'ai de la caillasse mais j'ai pas de bois. J'ai tout le côté gauche de ma baraque à explorer. Jour de pluie, vraiment, il faut que je trace à gauche là et que je me bouffe 4000. Il faut que je me prenne 4000 trucs à bouffer sur moi et je vais péter tout mon champ. Vraiment, je vais péter tout, enfin peut-être pas tout, mais en plus, j'ai planté des arbres exprès pour. Putain, minuit. Faut que j'aie le temps de tout déposer. Je recrée des appâts aussi.
pour la canne à pêche. 89 slime. Ouais, allez, c'est parti. Et on va pas tarder à s'arrêter pour. Oh, je sais pas. Peut-être que je fais un gros épisode. J'en sais rien. On va encore faire une journée, on va s'arrêter, on va faire une petite pause. Ouh, la récolte de maïs. La récolte de maïs. Merde. Le mec qui s'obstine. Alors ça a l'air plus long et fastidieux de ramasser et arroser, mais au moins ça me permet de rester sur les mêmes lignes. J'ai offert un cadeau à Léa aussi. Je sais pas quoi lui offrir. Ok. Allez, c'est bon. Bataille pas. Vu toute la thune que j'ai dépensée dans le centre communautaire, on va pas commencer à chipoter. Mais vraiment? T'arrêteras d'être bloqué comme un triseau. Merci. Oh, le chat commence pas. Ça c'est fait. Et il est 10h, donc finalement je crois que j'ai optimisé le temps. Bon, pas de beaucoup, mais j'ai optimisé. Allez, hop. Le saut. Là. Impeccable, c'est parti pour aller voir Léa, encore une fois, encore et encore, j'ai encore la quête des slimes,
J'ai encore la quête des slimes. Putain, mais tout ce bois. Tout ce bois. Je me tâte entre les slimes ou le bois. Ok, donc elle kiffe. Voilà, elle, le basique pour elle, c'est chiller au soleil avec un verre de vin. Visiblement, un verre de du vin de Stardew Valley. Donc, ça veut dire qu'on peut éventuellement devenir producteur de vin. Qu'est-ce que je fous là? Je voulais aller péter la géode. Oh! Mais oui! De l'algue verte. Et ben zou, est-ce que j'en ai à la maison? Si j'en ai à la maison, ça veut dire que déjà je lui valise une quête et donc du coup de l'affect. En plus. Faut que je la pêche. Il faut que je la pêche, il faut que je la pêche. J'en ai pas sur moi. Non. Bon. Géode. Nous avons notre nouvelle mission. Je sais pas ce que ça fait quand le bus est réparé. Est-ce que c'est quoi? C'est la fin du jeu et endgame, on se barre et non. Non mais ça veut peut-être dire que les gens peuvent aller en ville et ça débloque des situations. Cinq cailloux, très bien, merci. J'adore les géodes. Franchement, je trouve que c'est le meilleur plan. Allez, une algue verte. Bordel de merde, bordel de merde. Pas évident de gérer le poisson et le coffre. Ça va qu'il est pas trop nerveux, mais c'était limite. Hein. Il s'emballe comme ça là. Je me demande si le premier truc que j'ai pêché, j'en ai pas besoin. Je crois que c'est la première fois que j'en pêchais. De gueule. Ah, des appâts. Deux appâts. Bon, c'est un peu la tristesse là, hein, j'ai l'impression. C'est un peu la tristesse. Hein. Une algue, c'est possible ou pas? Mmh.
Putain, des appâts et du caillou, quoi. Insane. Ça dingue si j'empêche aucune. D'habitude, il y en a toujours au moins une ou deux qui pop. Allez, ça commence. Les conneries commencent. Changer de spot, visiblement ici ça a décidé que non, pas aujourd'hui. En plus je gagne en affect avec les quêtes, donc là c'est tout bénef. Allez, deuxième. Mais c'est insane. Je trouve ça insane. Y a pas d'algues. Y a plus d'algues. Je vais jamais avoir Stalg à la con, je suis vénère. Je suis pire que vénère là. Non mais c'est quand même incroyable. Putain, quand j'en ai besoin. Toutes les merdes de l'univers sauf ce que je veux. Putain, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. 6 heures je fais que pêcher. Oh, merci. Plein le cul. Ouais, non mais c'est bon, tu me dois rien. Est-ce qu'on peut refuser l'argent? Bon, 45 balles au pire. 5 heures. Bon, on va terminer la journée à côté d'elle.
J'ai remarqué que souvent à cet endroit-là, je pêchais de la merde. Deux fois d'affilée, c'est un signe quand même. Bon, on va finir de pêcher ici. Voilà, impressionnant. Ok. Que je vois à quoi ça ressemble. Eh bien, il y a besoin d'un sunfish. Abrutima. Oh, il faut que j'achète le crapaud pour avoir justement les machins à l'intérieur. Je vais l'acheter. Pour avoir les écrevisses, des homards et tout. En plus, je suis sûr que ça se vend méga cher. Les langoustines. Bon, j'ai. Il y avait un sunfish à donner au centre communautaire. D'accord. Un artefact. Eh bien, ok. Un artefact. Pourquoi pas. Ben, ça fiche. T'es cool. Par contre, j'ai pas saisi encore si Gunther pouvait vraiment nous donner des infos sur ce qu'on lui donnait. A priori, oui. Mais j'ai pas vu comment. J'ai pas cherché à voir comment en fait. Donc je sais pas si c'est vraiment possible. Ah non, ok. Ok. En fait, on a l'info quand on reloute l'objet et qu'on regarde sur l'objet en question. Voilà. Je suppose d'en tirer plus d'argent si on le vend ou d'en tirer un meilleur usage si on décide de l'utiliser pour du craft, je pense. Ok, bon. Oh oui, j'ai 251 appâts accrochés. Oh. Allez. Petite pause YouTube. Des gros bisous. À bientôt. Pour la suite de l'aventure.